elegancia. Je n'arrête pas. Là, c'est ça, les Sunga, direction la Suisse. Donc, ça, c'est prêt. Ça, c'est. Ma chérie, voilà ta mamie de Nisunga qui arrive là. Donc, tu vas manger ça ce soir ou demain. Une Sunga de grande réalisation. Donc, voilà. Et maintenant. On continue. Ça, c'est une Sunga de grande réalisation aussi qui se mange aujourd'hui. Ah! Bon, écoute, c'est normal. Hein? Qui se mange aujourd'hui à l'hôtel au Méridien aujourd'hui. Ouais! Ah, la veuve! Avec moi, y a-t-il quelque chose? Donc, mes souvenirs de la Suisse sont prêts. Bon, je vous présente aussi que, sachez que ici au gouvernement de la joie, on a le poisson. Du poisson frais. Des bonnes barres bien fraîches que je commande chez la poissonnerie là-bas. Vous voyez? C'est comme ça que moi, mes livres, moi, je ne. Les gens chez moi ne mangent pas de la boisbaise. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Vous voyez? Ça, c'est de l'argent que je dépense. Ça, c'est l'argent. Et quand vous allez me voir avec 50 euros, oh, la veuve va se vendre parce que là, 50, vous savez combien je dépense. Rien que tout ça. Non. Donc, au gouvernement, la joie, il y a une histoire. Donc, ma soeur chérie, Mireille, tes Misunga sont là après. Donc, tu envoies maintenant ta personne venir récupérer ces Misunga. Pour dire ce qu'il faut que je tombe. Il ne faut pas que l'église devant vous parce qu'il y a 5. Je vais glisser ici. Là. Attendez d'avoir jamais vu d'avoir l'eau. Ah. Vous ne voyez jamais rien. Vous êtes sur les réseaux sociaux à dire des conneries, à juger des gens que vous ne connaissez même pas. Hein? Ici, c'est le doigté culinaire. Nous, on s'en fout. Vous pouvez vendre tout l'immeuble. Vous pouvez vendre ce que vous voulez. Ici, c'est le goût. Nagou, maman Nagou, moi je m'appelle maman Nagou, grand-mère d'Odu Hoa. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, les Misunga là, bon. Bon, voilà. C'est les Misunga dans la réalisation. Donc, pour ceux qui veulent commander, il y a du poisson, il y a des bombas bien frais. Vraiment, bien frais, vous avez vu? Regardez. Là, il y en a peut-être une. Il y en a 8 là. Il y a des bombas. Voilà. On vient de me livrer ça. Il y a des plantains. Il y a des bobolors. Il y a les Misunga. Il y a les porcs brisés. Il y a la poule brisée. Il y a tout ici. Il y a même d'abord les coquilles, même s'il faut que je. Il y a aussi les coquilles. Que. Ça, c'est les coquilles. D'abord, je vais tremper même d'abord ça pour commencer. Je vais tremper les coquilles. Voilà. Parce que, pour celles et ceux qui ne savent pas, parce que vous parlez sur les réseaux sociaux, avant de préparer des coquilles, parce que c'est très dur, on le trempe 2 jours. Moi, je trempe chez moi 2 jours. Après, ça va gonfler, ça va devenir bien mou. Et vous mettez dans le mixeur et vous tournez. Voilà. Donc, ils sont là. Donc, sachez que
Pour l'instant, comme je vous ai dit, je ne suis plus trop en direct. Mais d'ici la semaine prochaine, on va recommencer nos directs. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis parti en prison et je vais supporter la prison. Donc, ce que vous parlez dans les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, moi, je parle que des doigts culinaires. Donc, c'est-à-dire que chez moi, c'est la fraîcheur, de la bonne humeur, de misunga, de hausse technologie, de misunga, de garde de réalisation. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pas que tu prépares un bon délit, tu cries, aïe, aïe, aïe. Ben, dis donc, quand quelque chose est bon, on ne crie pas tout. Hein. Moi, je sais préparer. Et moi, je suis fière de moi. J'ai eu ma mère aujourd'hui, ma mère m'a dit que mais rentre, si tu veux faire un peu de misunga, que tu parles. Je vais aller au Cameroun pour parler du misunga pour ma mère. Elle veut goûter un peu ma pause. Elle veut goûter aussi ma part de mi. Ma part de misunga. Donc voilà, ici il y a tous les ingrédients, hein, ne vous inquiétez pas, ici il y a vraiment de tout. Hein. J'ai tout. Et puis il y a ma soeur Mireille Nonga qui m'a ramené les condiments du pays. Hein. Je suis très fière de moi. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Donc je dis encore merci à tous ces gens qui me soutiennent. Franchement, je vous dis carrément, je vous dis un grand merci. Sans vous mentir. Hein. Un grand merci. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui me critiquent là tous les jours. Hein. Maman, comment non? Oui. Ça va, maman? Non, je suis au Cameroun. Non, mais je peux te faire un te livre après. Je vais faire des commandes avant. Je te livre après. Non, je vais faire à manger. Après, tu viens. Attends, je t'habille plus, je t'appelle. Oh, je suis. Merci. Bon. Là, on va d'abord restopper. On va d'abord. Ça, c'est une histoire qui va en Suisse. Il y a peut-être 200 misunga là ici. Voilà. Merci pour ta confiance. Attends. Où est le téléphone? Je veux filmer. Où est le téléphone là, mémé? Avec notre emblème du gouvernement de la joie, les céleri. Que c'est beau. Les misunga, oui. Ma misunga. Les misunga de garde réalisation. Voilà. Bon. Je mets d'abord ça là que ça chauffe. Je vais attaquer avec notre misunga là. Et puis, j'attends et tout ça. Bon, passez vos commandes, vous connaissez le numéro 07 53 93 18 80
mon époux, Père Dagobert, et moi-même, on vous remercie. Monsieur Jean-Louis Dagobert et son épouse, Veuve Joyeuse, on remercie tous les gens qui nous encouragent. Grand merci à vous. Merci. Warriors, Warriors! Oh, les téléphones se connaissent souvent souiller les gens. Oui, c'est pas possible. Les bosseuses.